Choupinette 31. Oui, c'est ça. Ouais. C'est moi, c'est avec moi que vous avez rendez-vous. D'accord. C'est avec moi que vous avez chatté. D'accord, donc vous êtes Beau Blacko 69. C'est ça ? Désolé, c'est pas moi qui ai choisi le... C'est les potes qui ont... Bah bon, je sais pas. Ouais. Pardon. Voilà, bah, si vous... Merci. Ça va, ça... Vous avez trouvé facilement ? Ah oh bah oui, ça a été, oui. D'autant que c'est moi qui vous ai donné l'adresse, donc... Ah oui, forcément, donc... Comme je connaissais l'endroit, en fait... Non, en fait, ce que je voulais dire, ça va, ça a été sur la route, pas trop de bouchons pour venir, ça va ? Non, ça a été, oui. Ça a été, quoi. Enfin, c'était bien. Mais pourquoi ça a été, en fait Non, vous me parliez du voyage, c'est bien passé, oui. Oui, ça s'est bien passé, le trajet. Comme j'habite au-dessus. Ah, vous habitez au-dessus, c'est pour ça. Ah, vous habitez au-dessus, donc forcément ouais, au niveau bouchon, c'est calme, quoi. Ouais. C'est assez calme. Et même dans l'escalier, je veux dire, personne n'a bouché le passage, ça... Oui, non. Non, ça a été... Non, ouais. En plus, j'ai pris l'ascenseur. Ah oui, donc... Alors, c'est vrai que... C'est bien pratique, un ascenseur. Oui, hein, c'est vrai que c'est pratique, hein. Pour monter ou descendre, finalement, voilà. C'est... On a le choix, quoi. Pratique. Et l'ascenseur... Il est descendu sans problème. Oui. Enfin, il est descendu. Non, ça s'est très bien passé. D'accord. Non, c'est pour ça parce que je me disais une heure de retard alors que vous habitez au-dessus. Non, ouais. Je suis désolée, pardon. Ouais. Non, parce que moi, je vois par exemple, je viens de Lyon, là. J'ai pris deux trains, un taxi, puis j'étais à l'heure, quoi. Donc. Non, mais c'est vrai qu'avec le changement d'heure, on ne sait plus très bien où... Non, on n'a pas changé d'heure, en fait. Ah, ben voilà, ben c'est pour ça. Ah. Voilà. Mais alors, je suis complètement désolé, parce qu'en fait, je ne vous ai pas demandé, parce que Choupinette31, j'imagine que c'est un pseudo, en fait. c'est, comment vous vous appelez? Je m'appelle Audrey. Ah, j'adore. Ah, vrai? Magnifique, Audrey. Ah, ouh, Audrey, ah, oui. Comme... c'est magnifique, comme Audrey Hepburn. Help. C'est Audrey Hepburn, c'est une actrice des années magnifique, très glamour. D'accord. Ouais. Ah oui. Ah oui. Donc vous, c'est pareil alors en fait. Très glamour également, oui, bien sûr. Non, je parle de votre prénom. Ah, c'est pas Beau Blacko 69, si. Non, ça, c'est des potes qui ont trouvé le nom. Non, c'est Denis en fait. Je m'appelle Denis. Ah, Denis. Ouais, bon, ouais. D'accord, Denis. Ouais. Denis. Hmm? Ah oui, c'est comme Denis. C'est comme Denis... Denis Brognard. Le présentateur de Koh-Lanta. Denis Brognard. Ouais, présentateur de Koh-Lanta. Qui présente Koh-Lanta. Koh-Lanta, oui. Il s'appelle Denis Brognard. Il s'appelle Denis et puis Brognard aussi, oui. hein. Sinon, ça fait longtemps que vous aimez les chats, les chats. Ça fait pas mal de temps en fait, mais c'est-à-dire qu'au début je connaissais pas très bien les chats, et c'est surtout des amis qui m'en ont parlé, ils m'ont dit bah tu devrais essayer les chats, c'est super. Faut faire attention parce qu'il y a plusieurs sortes de chats. Hein. Oui, tout à fait, c'est vrai, c'est pour ça au début j'y suis allé un petit peu à tâtons sur les chats et. J'ai plongé la tête la première dans les chats, j'y suis allé. Ah, d'accord. Ouais, ouais. D'accord.
Parce que là, comment ça se passe? Vous allez de chat en chat, finalement, pour voir où ça se passe, comment ça se passe, ce qui tout vous correspond fait. Oui, oui, bah pour faire le tri, déjà. éviter les chats piégés, quoi. Non, c'est sûr, il faut comprendre le fonctionnement des chats, hein, ça c'est pas... Attention, il y a des chats très compliqués, il y a des chats très... Touffus ou... Des chats touffus, voilà, ouais, ouais, ouais. Énormément. Et vous avez déjà payé pour des chats ou pas? Ah non, 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 non. Non. Ça c'est un principe, je ne paye pas pour les chats. Et vous, c'est votre truc, les chats Pas du tout. Non, ah ouais. Ah, pas du tout. Non, non, moi j'évite les chats en général. Ah ouais, ouais. Là, c'est la première fois, juste pour voir. Pour voir, comme ça, ça, voilà. Voilà. Vous voulez peut-être boire quelque chose, un café? Ben non, écoutez, j'en ai déjà bu neuf. Hein, puisque j'ai eu du temps, hein, forcément. Mais vous, en revanche, vous avez peut-être soif, peut-être envie de boire quelque chose? Ben non, moi j'ai à boire chez moi. Ah. Et vous habitez au-dessus? Bah on est ouais, juste au-dessus, là. C'est juste au-dessus, en fait. Bah là, il y a mon lit. Ah, d'accord. C'est un lit, c'est assez grand, comment... Ouais, ouais, c'est grand. Moi, je sais pas comment je vais faire, là, parce que... S'il faut que je retourne à Lyon... ça me fait un taxi plus deux trains... Bon, alors que vous êtes juste au-dessus, moi, en fait. Je suis juste au-dessus, hein, je suis là, je suis au troisième. Ah ouais, d'accord, c'est génial. Je suis au troisième, là. D'accord. Et comment c'est chez vous? C'est bien? C'est, c'est ouais. Bon, on va y aller, on va aller voir. Ah bon? Non. Ah oui? Bon, je sais pas, non. Ouf. On peut aller voir. Ah bon? Juste pour voir. Ah, oui, pour comment ça se... Ben, comment voilà. Ça se passe? Vous êtes au troisième, en fait. Je suis au troisième. Ah, très bien. Juste au-dessus. Et c'est bon. Alors, il y a un... Il y a un ascenseur. Ah, génial. Il y a un ascenseur. D'accord. J'enlève mon pull tout de suite ou... Je sais pas.